Nationalement, je ne vais pas m'avancer. Localement, là, on vous a fait une focale sur la partie sportive, compétition élitiste, effectivement, hein, qui concerne qu'une partie de cette catégorie d'âge. On garde notre système de Grand Prix, hein, qui est sur cette filière d'animation dans laquelle une partie de cette catégorie peut se retrouver. Et on garde aussi, on est de plus en plus en train d'ouvrir les katas, jiu-jitsu à cette catégorie d'âge-là. Donc, on ne perd pas de vue que les minimes, c'est un ensemble de pratiques, hein, c'est de la compétition, mais c'est aussi de l'animation avec différents niveaux. Là, on s'est concentré à faire essentiellement une focale sur la partie sportive, quoi. Ce n'est pas le projet global minime, en tout cas localement. Nationalement, je l'ai bien dit, je ne vais pas m'avancer, mais on garde bien, nous, dans notre projet sportif global, la partie développement pour toutes les catégories d'âge, y compris celle des minimes, avec les différents types de pratiques qu'on ouvre de plus en plus, jeunes et minimes, voire benjamins, sur certaines pratiques. C'est le projet effectivement global, mais c'est pour ça qu'on parle notamment dans la dernière diapo, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on l'a fait sur le regroupement minime de la Fédé. On bosse sur les katas, sur l'arbitrage, parce que justement il y a une volonté. On sait très bien que tous ne seront pas forcément sur le sportif, et que dans les directives techniques il y a quelque chose d'assez large pour que tout le monde puisse pratiquer. Donc c'est d'abord un socle commun, c'est ce qui a été dit, je crois, dans les toutes premières, Tout à fait. et puis à travers ce socle commun au niveau des minimes, eh bien il y aura un versant, et notamment là une orientation sportive pour un groupe. Par contre, ceux qui seront pas forcément dans le groupe, ils auront quand même toute cette formation technique qui ira dans le même projet, peut-être avec des orientations différentes, mais toujours avec cette volonté d'ajouter, voilà, les katas, l'arbitrage, une connaissance technique globale générale. Voilà. Moi, je voulais compléter ce qu'a dit Jérôme et ce qu'ont dit Jérôme et Sébastien. Et pour répondre, parce que les sélections départementales, elles sont liées à chaque comité. Donc, faudrait qu'on connaisse également de quel département il s'agit. Et peut-être qu'un collègue qui est ou un président qui est de ce département pourrait répondre, comme Nadir pourrait répondre à Bruno. Notamment pour les sélections. Je crois que pour compléter donc les propos, je reviens à ces propos sur les minimes. Ce matin, j'ai présenté la structuration globale. Il y a, en plus du stage élitiste de Noël, un stage régional ouvert à tous les pratiquants, et notamment les minimes, hein, en priorité, et également sur le stage de février. Donc, il y a ce stage international, mais à côté, il y a des stages dans chaque zone, etc., etc. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas décliné cette facette. Est-ce qu'on pourrait savoir donc de quel département il s'agit? Donc, je le rassure, nous, les détections, on les fait avec Pierre Desouettes sur plusieurs manifestations. Donc, qui sont rassurés, il n'y a pas de souci sur la sélection. On fera passer les programmes derrière. Voilà. Très bien. Compléter, c'est vrai aussi, en tout cas pour les minimes, mais je crois que c'est valable sur les autres catégories d'âge. On est aussi beaucoup dépendant du calendrier national, qui fait que les compétitions au niveau national étant tôt, il nous faut malheureusement avancer les sélections, donc régionales, zones, départementales par voie de fait. Et puis c'est vrai que cette année, c'est une année particulière, hein, on le sait tous. En tout cas, pour la partie minime, c'est le projet général, c'est ce que disait Jérôme, c'est la trame globale. Après, ben, effectivement, on va s'adapter à la situation. Ok. Malheureusement, les chaussettes, ben, les gens se travaillent en chaussettes, ramassent différentes choses sur les chaussettes. Parfois, il y a de l'eau de renversée ou d'autres produits. La chaussette s'imbibe. Et du coup, de chaussette en chaussette, le côté sanitaire n'est pas respecté. Avec les chaussures, on est à l'intérieur de ces chaussures, donc il n'y a pas de contact extérieur avec ce qui se passe. Et sur les balances, on peut nous régulièrement renettoyer la balance et renettoyer les alentours. Donc, ben, ça nous paraissait d'être de bon sens, même avec les oreilles, on est plus protégé qu'avec les chaussettes. Pour exemple, nous, on le dit régulièrement à la maison du judo avec les élèves des collèges qui se permettent de monter en chaussettes sur les tatamis, qui redescendent directement sans remettre ni deux oreilles ni quoi que ce soit, vont dans les toilettes, ramènent des trucs sur les tapis. C'est pas sain du tout, la chaussette, finalement.
Donc là, en l'occurrence, la pesée en chaussures sera beaucoup plus saine et garantira beaucoup moins de problèmes que si on mettait tout le monde en chaussettes. Ok. Petit mot peut-être pour la. Première chose, c'est que le championnat de France à Brest, ça a été c'était le premier événement national, mais également international. Donc, il y avait beaucoup d'enjeux sur cette compétition. Je vous rappelle, c'est une compétition où il y a eu beaucoup de spectateurs aussi. Hein, on était à 2-3 000 personnes. Donc, il y avait des enjeux qui étaient considérables. Et il fallait à tout prix que cette compétition se déroule dans les meilleures conditions. Donc, on était un peu dans l'inconnu, hein, donc tout, on va dire la sécurité a été maximale. Il y a eu vraiment une impossibilité des spectateurs de descendre sur le plateau technique. Il y a eu des limitations aussi sur les combattants. Vous savez, la spécificité des combattants, c'est qu'il peut y avoir des remplaçants, donc 10 judokas. Là, c'était uniquement ceux qui participaient sur le tour qui pouvaient accéder donc au plateau. Ils étaient parqués, entre guillemets, hein, dans une petite zone où il y avait des tapis d'échauffement, ils avaient de quoi se désinfecter, ils montaient sur le tapis avec ces fameux tapis néo-sol, etc. Donc les tests PCR étaient pour aussi rassurer les services publics aussi, rassurer tout le monde. Et au moins, on avait une population qui était relativement indemne. Faut savoir qu'on a une équipe de l'Occitanie, le judo Rodez Aveyron, qui n'a pas pu participer chez les féminines parce que justement, une d'entre elles était positive. Donc, et ça a été le cas pour quelques équipes, pas beaucoup, mais quelques équipes. Donc là, on était dans une situation maximale. Il y a eu ça a été vraiment une très belle réussite. Et par rapport justement aux autorités, au ministère, donc c'est un message fort qu'on a lancé. Alors effectivement, au niveau local, il y a moins de risques puisqu'on est limité à, je veux dire, cette compétition est limitée à la population de l'Occitanie. Donc déjà, on diminue les risques et on cloisonne. Et on aurait pu bien sûr demander des tests PCR. Si on rentre dans ce choix, d'abord matériellement ça nous paraissait difficile parce que vous avez vu qu'il y a une recrudescence et on est submergé à aller faire un test, donc c'est compliqué pour l'obtenir à 8 jours d'une compétition. Donc on aurait été peut-être que des judokas n'auraient pas pu obtenir le test ou le résultat parce que des fois il y a des gros délais. Donc on a fait le choix de pas demander les tests PCR. D'ailleurs, ce n'est pas recommandé dans les protocoles. Ouais, donc sur les aspects protocolaires dans les clubs, hein, c'est effectivement ce qu'on a rappelé au contact au niveau de la cellule régionale. Sur ces éléments-là, la démarche, elle est entre guillemets relativement claire, mais pas simple pour le professeur à appliquer. C'est-à-dire que ce qui est recommandé, c'est que le professeur porte un masque et que le professeur évite la pratique avec ses élèves et notamment aussi même les temps de démonstration technique avec les élèves. Prendre peut-être deux élèves entre eux pour démontrer des choses et expliquer ce qu'il faut corriger, plutôt que de se servir d'un de ses élèves comme bouquet pratiqué. Après, souvent, ce qui est pratiqué dans ce cas-là, c'est-à-dire que quand les gens se disent « bah oui, mais moi, il faut que je montre, c'est ma meilleure manière de faire quand je suis sur un plan pédagogique », ou alors certains professeurs m'ont dit « oui, mais nous, on est sur des groupes d'adultes, et dans le groupe d'adultes, quand on les entraîne, on pratique avec eux, ça fait partie de nos habitudes et on ne peut pas se défaire de cette habitude-là », alors effectivement, on se retrouve avec des professeurs qui se retrouvent en situation de pratiquant. Et auquel cas, ben, effectivement, si les professeurs sont en situation de pratiquer avec leurs élèves, ben, cette fois-ci, ce n'est pas possible de porter le masque parce que c'est très difficile pour tous ceux qui ont eu l'occasion de refaire un peu de pratique. Le moindre mouvement que vous faites avec le masque, ça devient infernal. Alors, c'est peut-être... Donc, on n'a fait que des ajustements hein, sur la structuration sportive en fonction de l'organisation, notamment en zone. On n'a rien changé par rapport au Grand Prix. L'année dernière, sur le SNR, on vous avait questionné pour savoir si on l'interdisait pas du tout, si on interdisait la Coupe régionale, à ceux qui participent à la Coupe régionale, aux Coupes nationales, vous aviez une grande majorité, une très large majorité, souhaité que ce soit interdit aux sélectionnés de la Coupe de France. Donc, ça reste interdit aux sélectionnés de la Coupe de France. Et je crois que
pour les autres tournois. Donc, on est, pour les autres catégories, on est les participants donc aux demi-finales cadets, juniors ou seniors, ne peuvent pas participer au Grand Prix. Sachant que vous avez maintenant systématiquement dans toutes les catégories, que ce soit un junior ou senior, hein, ou les autres avant, vous avez les championnats de zone qui sont accessibles. Donc, tant que je ne participe pas à la demi-finale senior ou junior ou cadet, je peux participer au Grand Prix. Ok. Donc on a essayé, on essaie sur des événements comme ça de les faire dans des endroits relativement centraux. Hein. Donc initialement c'était prévu sur sur Toulouse. On est obligé de sortir de cette zone parce que on est sur, on a l'épée des Damoclès hein, sur nous. Hein. Donc effectivement on n'a pas beaucoup de lieux qui étaient en capacité de nous accueillir. Donc, encore un grand merci au comité du Tarn et à son président Bertrand Esquerne hein, qui nous accueille. Donc on peut envisager un décalage, mais je ne suis pas certain que tout le monde soit d'accord avec cette organisation, sachant que les protocoles vont forcément augmenter la durée de compétition. Et tout à l'heure, j'ai parlé de 9 heures de compétition. Hein. Il faut en tenir compte. Oui, il faut. Non, uniquement la Coupe de France. C'est ce que vous aviez souhaité l'année dernière sur le SNR. C'est sur les 4 SNR. Donc, on a limité à cette Coupe de France prélim. Mais si le judoka passe cadet, il peut participer au Grand Prix cadet. Oui, oui, bien sûr. Ouais. D'accord, non, c'est que si on limite vraiment la population. Hein. Donc, c'est le judoka qui a participé à la Coupe de France minime et qui reste encore minime. Donc, ce sont les premières années minimes et qui reste encore minime. D'accord. Ça touche très peu de judoka et c'est vraiment les tout meilleurs. Hein. Mais c'est d'accord. Ce que vous avez souhaité. Hein, parce que nous, la proposition, c'était on supprime tout ou les sélectionner coupe régionale ou coupe nationale. Mais enfin, je te confirme que c'est bien. D'accord, merci. Non, ça dépend. Moi, je vais répondre parce que j'ai interrogé le national sur cette question dans l'après-midi. Et il n'y a pas de législation là-dessus, ni d'État, ni du côté fédéral. Les seuls qui peuvent vraiment obliger le club à fermer, c'est l'ARS, s'il détermine qu'il y a eu plusieurs cas qui seraient susceptibles de s'être déclenchés au club de judo. Et donc, dans les délais, il n'y a pas de. Bah, ça va dépendre de chaque ARS. Après, l'ARS, en général, c'est très réactif, hein, parce que c'est sur. Enfin, sur ces cas de contamination, mais c'est aussi pour tout ce qui concerne l'eau potable, enfin, tous les éléments un peu vitaux. Et donc, voilà, il y a pas mal de réactivité, mais ça dépend de chaque ARS. En complément, puisque c'est moi qui avais fait la réponse ce matin, on est un peu sur les mêmes schémas que dans les autres structures, c'est-à-dire que quand il y a un cas qui se déclare dans une classe à l'école, le temps que la chose soit connue, que le directeur d'école ait le contact et que l'ARS signale au directeur d'école que la classe n'a plus le droit de venir, bon, ben, les élèves de cette classe-là sont stipulés peut-être un jour, deux jours ou trois jours après qu'il ne faut plus venir à l'école et ils n'y viennent plus pendant 7 jours. Voilà. Donc, ben, sur le club de judo, c'est possible éventuellement d'avoir ce même décalage. Donc, après, c'est un schéma de bon sens. C'est-à-dire que si tu n'en as qu'un seul, que tu sais à peu près, toi, globalement, combien vous étiez sur le tapis et que c'est le seul cas qui est annoncé, bon, ben, à ce moment-là, effectivement, tu laisses le cheminement se faire. Si tu apprends d'un seul coup que sur la séance où tu avais 10 élèves adultes, tu en as 5 qui sont tombés malades, ben moi je t'encourage sur un schéma de bon sens de dire aux 5 autres, écoutez, là, on a 5 cas d'un coup, ça se trouve, tout le groupe a été contaminé, je vous propose que la séance qui devait avoir lieu mardi n'ait pas lieu, on se laisse un petit peu de temps et on voit comment ça réagit, éventuellement leur conseiller d'aller faire un test et puis gérer le truc. Par contre, sur quoi j'ai insisté, parce que ce matin, on parlait du club. Il faut essayer de gérer le club et vos groupes dans le club comme le font les écoles au niveau des classes. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a un cours auquel on ne donne plus l'accès puisque nominativement on sait qui était là, qu'il faut fermer tout le club. Voilà, c'est ça aussi le distinguo à faire. Et après, effectivement, vous n'êtes pas tout seul à décider, vous les professeurs, hein, vous avez aussi des dirigeants. S'il y a des dirigeants que ça affole, que ça inquiète, et que le dirigeant prend la responsabilité de plutôt fermer le club, ben ça sera de sa responsabilité de dirigeant, bien sûr. Par contre, ce que j'ai rappelé, c'est que juridiquement, il ne peut pas être reproché au dirigeant d'avoir laissé le club ouvert, hein, puisque le fonctionnement, c'est l'ARS qui signale la nécessité de fermer par rapport au cluster. Hein, donc, vous ne pouvez pas être attaqué là-dessus.